Togo Info, le Togo à votre portée. Il s'agit d'une violation d'un droit fondamental. Et puis, ce n'est pas une procédure pénale où une civilité est engagée et qui dépend, et donc l'aboutissement dépend de la procédure pénale. Le pénal ne tient le civil à l'état que si l'aboutissement de la procédure pénale a une influence sur la procédure civile. Ici, c'est l'inverse. C'est plutôt l'aboutissement de la procédure civile qui doit changer le cours normal des choses. Parce que si on poursuit, on continue par poursuivre, et qu'à la fin, on a une décision qui constate ou qui prononce la nullité de la résolution portant le maître de l'unité parlementaire, à ce moment, il y a une situation irréversible qui serait déjà créée. On ne pourrait pas réparer. Donc, c'est comme là, au contraire, une question de bon sens. Puisque, en réalité, s'il n'y avait pas cette levée de l'unité parlementaire, vous ne pouvez pas poursuivre. Alors que cette levée de l'unité parlementaire est contestée. Et il va falloir faire recours à un juge pour constater réellement si c'est contesté, si c'est irrégulier ou pas. Alors que le procureur d'attente, s'il poursuit, c'est bon, il poursuit contre les contestations. Alors que le juge des contestations, c'est lui qui est là, aussi lui, qui doit départir les deux parties. Parce que le procureur, comme on l'a dit, le procureur, tout comme M. Abdel Kodou, ce sont des parties procès. À partir du moment où le procureur poursuit, il n'est plus juge. Il est parti. Le juge qui doit trancher a famille, après le procureur est abonné, c'est le juge civil. Il faut qu'il tranche d'abord. Donc ici, en réalité, le procureur n'est pas indépendant. En tant que poursuivant, il n'est pas indépendant. Il est lié.